Nous sommes venus sur ma chaîne Taïla So Beauty. Donc, je vous parle d'un produit que j'ai reçu ce matin. Donc, cette vidéo n'était pas du tout prévue, c'est vraiment une vidéo express. Mais j'ai reçu un produit et je suis totalement fan de ce produit-là. Donc, c'est de la marque donc, Anastasia Beverly Hills. Donc, c'est une marque typiquement américaine qui était il y a très peu de temps vendue qu'en Amérique. Mais maintenant, depuis quelques mois déjà, c'est disponible sur le site de chez Sephora. Donc, soit sur le site, soit en magasin. Donc moi, j'ai craqué comme tout le monde je pense et j'ai acheté ce glow kit donc où il y a 4 highlighters. Donc le packaging déjà avait le petit emballage, donc c'est un petit emballage donc, en carton comme ceci. Ensuite après, donc c'est en carton dur. Les 4 highlighters ici, donc là c'est expliqué en anglais puis en français qu'est-ce que c'est. Quand on l'ouvre, donc on n'a pas de miroir en haut, donc c'est vraiment, vraiment uni, donc il n'y a rien. Vous avez les 4 highlighters qui sont comme ceux-là. Donc, les 4 highlighters peuvent être changés de paire, donc elles sont interchangeables comme ceux-là. Donc on peut les retirer et juste prendre l'highlight qu'on préfère quand on part en voyage ou autre. Donc c'est vraiment très très bien pensé de la marque Anastasia Beverly Hills. Donc la première teinte, c'est le Sunburst, qui est plutôt dans les tons jaune doré. Donc je vous mettrai des photos en plus près pour vraiment que vous puissiez voir l'intensité de la couleur. Donc c'est le Sunbrush, donc qui se présente comme cela. Ensuite après vous avez le Golden Bronze, qui est plutôt dans un marron chaud, très chaud même, donc, que j'ai mis ce matin. Donc voilà. Ensuite après vous avez le Blubby, donc j'ai un doute, c'est un rose très clair, donc un highlight très rose pâle. Vraiment trop pas, je pense que c'est plus fait pour les teintes un petit peu plus claires que moi, donc j'ai peur que ça se voit pas trop sur ma carnation de peau. Je verrai ça après, mais j'ai quand même un petit doute, c'est peut-être trop clair pour ma peau. En dernier vous avez le Dripping in Gold, donc qui est comme cela, donc qui est vraiment magnifique, franchement c'est fou, un truc de malade quoi. Donc comme vous pouvez le voir, les ailettes sont truffées, mais vraiment truffées de paillettes. On a une tonne, on a une blinde. Donc j'ai eu peur quand je l'ai mis ce matin d'avoir du mal pour un petit peu l'estomper. Mais je l'ai estompé très facilement. Ça a pas, j'ai pas galéré plus que ça pour l'estompage. J'ai pas eu de chute. Franchement, je n'ai pas eu de chute. J'ai vraiment eu peur avec les paillettes qu'il y a dedans d'avoir des chutes sur, ben, en bas. Quoi, mais j'en ai pas eu. Donc ça s'estompe très très bien. Personnellement, je n'ai pas eu de chute et franchement, l'intensité est juste mais de malade. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc l'highlight capture très très bien la lumière. Donc là, je l'ai mis là, donc la lumière est très très bien capturée. Donc juste ici, sur le nez, donc ça se voit ici, un petit peu là et sur l'autre coumette. Donc la lumière est très très bien puissante, vertueuse. Donc voilà, donc on arrive à la fin de ma vidéo. Donc si le produit vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez aussi aimé ce kit, si vous avez lâché, si vous l'avez adoré. Si vous trouvez d'autres points négatifs que j'ai peut-être pas encore vu encore, comme je vais utiliser qu'une seule fois donc ce matin. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour bien sûr une nouvelle vidéo. Allez, bye.